Eh ben, salut à tous, c'est Automatis Youtubeur, j'espère que vous allez bien. Donc par contre là, je vais un peu filmer de l'autre côté parce que voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent pas se faire filmer tout simplement parce que vous savez comme nous sommes devant, comme nous sommes dans un quartier résidentiel. Donc là, je suis devant chez moi, là voilà, devant chez moi là. C'est devant chez moi, je ne filme pas les maisons parce que de un, vous allez voir mon adresse et de deux, vous allez simplement voir vraiment les. Peut-être qu'il y a des gens comme. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas se faire filmer. Peut-être qu'il y a des gens à la fenêtre des maisons et qui veulent pas se faire filmer. Du coup c'est pour ça que je filme de ce côté-là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une vidéo spéciale fermeture des vlogs. Voilà. C'est une vidéo spéciale fermeture des vlogs simplement. Alors du coup c'est quoi une vidéo spéciale fermeture des vlogs? Ben c'est pas un vlog là, c'est pas un vlog. C'est juste une vidéo pour dire que la série des vlogs est terminée. Enfin, la série. La saison, hein, vous inquiétez pas, il y aura des vlogs. Mais il faudra attendre le mois d'avril pour avoir des vlogs. Et oui, c'est fini. Donc, franchement, là, c'est moi pour là, c'est la vidéo spéciale pour en parler. Parce que j'en ai déjà parlé sur les dernières, vidéos que j'avais faites sur Tontomatis Youtubeur. J'en avais déjà parlé de la saison des vlogs. Mais là, je vais encore, plus parler car c'est une vidéo spéciale que pour ça. Rien que pour ça, je fais une vidéo. Tout simplement. C'est rien que pour ça que je fais une vidéo. Oula, côté des gens là, faut faire attention. Il y a un peu la foule, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a, bon. C'est un petit peu galère de filmer dans ce genre. Là, aujourd'hui, je filmais dans ma cour. Si j'avais su, bon, là c'est trop tard, hein. Je vais pas rentrer dans ma maison et retourner dans ma cour, c'est un peu trop tard, mais bon. Il y a plein de monde qui passe partout, c'est pour ça que. Là par exemple, là. Là de ce côté là, là à droite il y a quelqu'un qui va arriver, à gauche il y a encore d'autres personnes, d'autres gens qui vont arriver. C'est un petit peu galère, bon bref. Mais en même temps on est samedi, du coup les gens ne travaillent, il y a beaucoup de gens qui travaillent pas et qui se promènent. C'est un peu normal ça. La semaine il y a moins de monde que tous les gens sont au travail. Et en pleine semaine moi je suis à l'école, du coup c'est pour ça. Vous savez, si j'aurais fait dans la cour, ça aurait été mieux dans la cour. J'avais su. Bon c'est pas très grave. Du coup voilà. Il y a vraiment du monde aujourd'hui. Donc ça y est, la saison des vlogs est terminée. Il n'y a plus de vlogs avant au moins le mois d'avril. Je ne sais pas quand est-ce que je vais rouvrir la saison des vlogs. Parce que oui, c'est pas forcément au mois d'avril que je vais ouvrir la saison des vlogs. Ce sera soit peut-être fin mars ou voire mi-mars même. L'année dernière, j'avais commencé le 20 mars, l'année dernière, la saison des vlogs. J'avais ouvert la saison des vlogs le 20 mars. Tout simplement parce que pourquoi j'avais ouvert la saison des vlogs le 20 mars? Parce que ben le 20 mars, c'est le début, c'est le printemps, c'est le... Le printemps commence, ça y est, c'est le 20 mars. Quand on est le 20 mars, c'est le printemps qui commence. Du coup, j'ai filmé ben, pendant le pour le début du printemps. Elles sont des vlogs à marquer le début du printemps. C'est un peu ça aussi, c'est un peu normal. Donc voilà. Ok, c'est bon. Donc, en tout cas, voilà, ça marque un peu le début. Ça marque là, c'est le début des beaux jours, le 20 mars. Et quand on est le 20 mars, ben, c'est le printemps, c'est le grand printemps qui arrive. Là, c'est le printemps. Mais bon, on n'est pas encore là, là on est le 21 septembre aujourd'hui. Voilà, 21 septembre 2019. Hein. Toujours en 2019, on n'a pas changé d'année encore. De toute façon, ça fait que 5 jours que j'ai pas fait de vidéo, du coup ça fait pas longtemps. Du coup, faut être bête pour savoir quelle est, dans quelle année on est. Donc voilà, donc la saison des vlogs devra. Ce sera une vidéo similaire pour l'ouverture de la saison des vlogs. Mais sauf que ce sera bah, au printemps, au début de la. Donc oui, cette année, je vais rouvrir le 20 mars. Le 20 mars 2020. Ce sera comme l'année dernière. L'année dernière, je l'avais ouvert la saison le 20 mars. Donc voilà. Je vais ouvrir la saison le 20 mars. Donc voilà, je l'avais ouvert la saison le 20 mars. Et là, ça va être pareil cette année. Voilà, ça va être pareil. Cette année, ce sera pareil. Ce sera le 20 mars 2020. Donc rendez-vous le 20 mars 2020 pour l'ouverture du printemps et des vlogs. Parce qu'on ouvre, on ouvre pas que les vlogs, on ouvre aussi le printemps entier. Ça va être bien, ça va être comme une vidéo comme ça, mais sauf que je vais un peu vous parler de ce qui se passera. Ce qui se passera pendant la prochaine saison des vlogs en 2020, voilà tout. Comme le 20 mars 2020, j'en saurai plus sur mes vacances et mes vlogs que je ferai pendant l'été 2020. J'en saurai un petit peu plus parce que là. Je ne sais rien, on vient de finir un été, on a fini une saison, on va bientôt arriver en automne. Bah d'ailleurs, je crois que l'automne, c'est le 23, je crois qu'on est bientôt en automne, là on est presque en automne, ça y est. Je crois que c'est dans 2 jours l'automne, ça y est, c'est la fin,
C'est la fin de l'été. Et ouais, parce que ça y est, c'est fini hein, maintenant. On n'oublie pas l'été, mais c'est fini. Ça passe, c'est passé super vite l'été. Hein. Franchement, je ne reviens pas comment c'est passé vite. J'espère que l'année prochaine sera aussi bien. La saison des vlogs sera aussi bien. Donc on va rouvrir le 20 mars. Donc ce sera un vlog, enfin pas un vlog, ce sera une ouverture pour les vlogs. Après, ben, on peut passer voir ce qu'il y aura comme vlog. Hein. Peut-être un petit récapitulatif, peut-être. Bah, peut-être des vlogs à la mer, peut-être, c'est sûr. L'année prochaine, il y aura, pendant la prochaine saison des vlogs, il y aura des vlogs au bord de la mer, ça, c'est sûr, ça. Sauf qu'on voit la mer tous les ans. C'est sûr que je ferai un vlog à la mer, ça, c'est sûr. Mais après, le reste, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura quelques petits vlogs, quand je dirais, dans un endroit bien sympa. Peut-être qu'après le 20 mars, pendant le printemps, ou peut-être que pendant le printemps... Oh, printemps, n'importe quoi. Peut-être que pendant le printemps 2020, j'irai dans un endroit... peut-être que pendant le printemps 2020, j'irai dans un endroit bien sympa, et comme j'aimerais bien cet endroit-là, eh ben, je vais filmer à l'endroit bien sympa, parce que voilà, si je tombe sur un endroit sympa, je pourrais vous le filmer, par exemple. Ouais, parce que comme je ne sais pas encore ce que je ferai en 2020, notamment, bon, c'est loin 2020, hein, du coup... C'est encore loin 2020, hein, ça il faut. C'est encore loin. On peut pas savoir, mais c'est ce que je sais, c'est qu'on fera que je ferai des vlogs à la mer. Que c'est sûr qu'on retournera à la mer, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est la fin des vlogs. Donc les vlogs, la saison des vlogs avait commencé par une ouverture, simplement comme similaire à celle-ci. Voilà, c'est une fermeture, mais la dernière fois c'est une ouverture dans la même rue et exactement le même paysage. Voilà, le même paysage. C'était le 20 mars 2019. Étapement, bah, c'était pour ouvrir la grande saison des vlogs. Et après, à partir de cette vidéo-là, on a eu vraiment beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses après. Là, après, on a fait beaucoup de choses. L'ouverture, par exemple. Déjà, le 20 avril, enfin, un mois après la saison des vlogs. Donc là, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait cette année. Donc, un mois après la saison des vlogs, c'était le premier vrai vlog de la saison. C'était quand j'ai pris l'avion, voilà le décollage. Quand j'étais dans le nord chez ma mamie, tout simplement. C'est le 20 avril 2019. C'était le 20 avril 2019. On a pris un avion de la compagnie Hop Air France. Donc je sais pas si vous connaissez Hop Air France. Donc ça s'appelle, bon, c'est Air France, hein, c'est pas pareil. Vous connaissez certainement Air France, mais Hop Air France, vous connaissez peut-être pas. Bon, Hop Air France, c'est Air France, c'est compagnie régionale, voilà. Hop Air France, c'est Air France, mais en régional, simplement. Air France normal, c'est international. Mais non, si on prend un avion Air France tout court, c'est international. Et si on prend Hop Air France, c'est pour voyager dans les régions françaises. Bon, bref. C'est la petite parenthèse... sur les avions. Bon, bref. Donc, c'est au décollage en avion de l'aéroport Toulouse-Blagnac pour se rendre à Lille. À Lille, pour aller chez ma mamie dans le nord, tout simplement, voilà, j'étais chez ma mamie dans le nord, en avion, et c'était un beau vlog, hein. Franchement, c'est le premier vrai vlog de la saison 2019, parce qu'il y avait la vidéo ouverture le 20 mars, ça n'avait un peu rien, c'était pas un vlog, c'était juste pour ouvrir, pour dire qu'à partir de maintenant, il y aura des vlogs, ça y est, c'est l'ouverture, c'était plus ça le 20 mars, mais le premier vrai vlog, c'était le 20 avril, donc un mois plus tard, tout pile, hein. Tout pile, hein, c'est vraiment tout pile, franchement. Donc voilà, donc ça c'est le premier vrai vlog. Après, il y a eu un vlog chez ma mamie, ça m'en, vous savez, devant le canal en fait. Bah, là, c'était, je sais plus combien c'était, mais c'était fin avril, début mai. J'avais fait un vlog sur le canal de la Sambre qui était dans la ville chez ma mamie, ça m'en. J'ai filmé le canal de la Sambre qui se trouve dans le nord, dans la ville où habite ma mamie. Et ben, c'était le deuxième vlog de la saison. C'était sympa, on filmait la campagne, le canal, il n'y avait pas de bateau par contre, pas de péniche malheureusement. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme vlog après? Bon, après je ne me rappelle plus. Je crois que c'est tout pour quand j'étais chez ma mamie, je crois que j'ai plus fait de vlog après. Je crois que j'ai plus fait de vlog. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment bien chargé la saison. Après, ben, il y a eu le fameux vlog... Non, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme vlog après? Je ne me rappelle plus. Oh, j'en ai eu tellement que je ne m'en rappelle plus. C'est incroyable, quoi, franchement. Ça veut dire que j'ai passé un bon été, ça c'est le principal. Ok, la caméra pourrie fait son retour, ça y est. Je galère à régler ma caméra. Bon, non, c'est bon.
Mais un coup la caméra est trop claire, un coup elle est trop foncée, c'est ça le problème. Là elle est trop foncée et là je la règle encore. Et voilà, là maintenant elle est trop. Ah non, c'est bon, elle est bien là, c'est bon. C'est bon, elle est bien, non, c'est bon, elle est revenue comme tout à l'heure. J'ai des petits soucis de caméra. Par contre, c'est un peu trop clair, c'est dommage, on voit pas les nuages. On croit qu'il fait tout gris, mais il fait pas tout gris. Enfin, il fait presque tout gris, mais bon. Vous voyez tout clair, mais moi en réalité c'est un peu plus foncé que ça. Enfin, pas plus foncé, mais il y a un petit peu de bleu quand même, il y a un petit peu de ciel bleu, mais vous le voyez pas à cause de cette caméra pourrite. Hein. Bon, les téléphones en même temps, les qualités sont pas terribles hein, sur les téléphones, bien souvent. De toute façon, les téléphones c'est pas trop l'idéal pour faire des vidéos YouTube. Bon, rassurez-vous, c'est pas pour ça que je vais arrêter Tonton Matisse YouTubeur, ça va continuer. Mais que si on met sur mon téléphone, la qualité. Bon, sur Tonton Matisse YouTubeur, la qualité des vidéos sur Tonton Matisse YouTubeur, bah, c'est quand même beaucoup mieux sur la taille Favri que sur Tonton Matisse YouTubeur. Que quand je filme sur la taille Favri, la qualité est beaucoup mieux. Bon, bref. Allez, on arrête de parler de ça. On reprend là, c'est. On reprend le début. On reprend le vide du sujet, simplement. Alors après, on a fait un vlog. Qu'est-ce qu'on a fait comme vlog après? Ah, je m'en rappelle plus. C'était pas le Cap d'Agde si, c'était le Cap. Ah, si, voilà. C'est bon. Le musée Aeroscopia pour mon anniversaire. Vous savez, quand j'étais à mon anniversaire, en fait, pour fêter mon anniversaire, on a été visiter le musée Aeroscopia. Donc, c'est un drôle de nom, Aeroscopia. Mais c'est un musée de l'aviation, je ne sais pas si vous en souvenez, où il y avait le Concorde, il y avait des vieux avions qui ne volent plus maintenant, aujourd'hui. Des avions qui ne volent plus aujourd'hui, mais qui existaient à l'époque, tout simplement. Ça existait à l'époque. Donc voilà, des Aeroscopia. Après Aeroscopia, on a été au Cap d'Agde. Donc le Cap d'Agde, il y a eu plusieurs vlogs au Cap d'Agde. Je crois que je crois que les vlogs au Cap d'Agde, c'est le moment où il y a eu le plus de vidéos. Où il y a eu le plus de vidéos, simplement, sur la saison, simplement. Donc on aura fait le Cap d'Agde. Donc le Cap d'Agde, c'était bien. On a filmé les plages du Cap d'Agde. On a filmé la soirée au Cap d'Agde. Enfin bref, on a filmé plein de choses. On a filmé le Mont Saint-Loup. Donc le Mont Saint-Loup, c'est la montagne qui se trouve à côté du Cap d'Agde, simplement. Donc le petit train qui est relié. Le Cap d'Agde, le port du Cap d'Agde, jusqu'au Mont-Saint-Loup. C'est un beau vlog, ça aussi, hein, franchement. Et puis après, on a filmé la carrière de Talc. Et oui, la carrière de Talc, deux vlogs. On a fait deux vlogs pour cette belle carrière. Donc, une carrière de Talc. C'est quoi, bah, c'est une carrière qui fabrique du Talc, hein, simplement. Donc, en plus, la carrière de Talc d'Ariège, c'est la carrière de Talc d'Ariège. La carrière de Talc de l'Ariège, c'est la plus grande carrière de Talc au monde. C'est ce qu'ils ont expliqué, hein. Moi, je n'invente rien du tout, c'est la guide qui l'a expliqué que c'est la plus grande carrière de talc du monde, c'était celle-ci, c'était celle, la carrière de talc de l'Ariège. Moi, je n'invente rien du tout, là, c'est la guide qui a dit, elle ne doit pas se tromper, de toute façon, elle ne se trompe pas. Donc, voilà. Et puis après, c'est ce vlog-là. Bon, là, c'est pas un vlog, c'est juste pour dire que c'est la fin des vlogs. Donc, espérons que l'année prochaine soit aussi bien, parce que l'année prochaine, ça va être du très très lourd aussi l'année prochaine. Vous inquiétez pas pour patienter. Vous aurez des vidéos sur Mégapolis, sur Tonton Matisse YouTubeur. Vous aurez des vidéos Mégapolis sur Tonton Matisse YouTubeur. Vous aurez des timelapses pour pas vous ennuyer. Donc, voilà. En attendant les vlogs de 2020, eh ben, vous pouvez patienter avec les timelapses, les vidéos sur le jeu Mégapolis. Et puis, si vous voulez encore mieux, encore moins vous ennuyer, eh ben, vous avez qu'à suivre la chaîne Nathalie Favry. Oui, la chaîne Nathalie Favry. Et une chaîne qui a 120 abonnés, ça. Moi, elle a 120 abonnés, cette chaîne YouTube. C'est la chaîne secondaire, ça. Moi. Ma chaîne secondaire, c'est Nathalie Favry, qui a 120 abonnés. Donc, merci à tous, franchement, pour les 120 abonnés. Et il y aura... Et notamment sur Nathalie Favry, il y a des histoires Playmobil, il y a plein de vidéos sur Nathalie Favry. Je vous en dis pas plus, c'est à vous de regarder. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Les vlogs, regardez la saison des vlogs. Regardez, là je fais un truc stylé pour vous dire que c'est la fin des vlogs. Regardez, là c'est le décompte, simplement, pour dire que les vlogs c'est terminé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, donc là, à la fin de ce décompte, donc voilà, le décompte est fini. Et à la fin de ce décompte, là je viens de faire un décompte, et la fin de ce décompte signifie que les vlogs sont terminés. Donc, si vous inquiétez pas, si vous voyez rien sur la caméra, c'est parce que c'est terminé.
Voilà, les vlogs, c'est terminé, ça y est.